La mort du Seigneur. La dernière phrase de ton engagement est ma foi devant Dieu. Et j'y engage ma vie et ma foi devant Dieu. Amen. Vous avez bien entendu chacune, Peter, les paroles de l'Ange de votre vie. Parfait. Ils ne sont pas mariés encore, les n'avez-vous pas, tant que je n'ai pas fini avec elle. C'est pas marié. Futur époux. De bien vouloir s'approcher de son futur époux et vous tenir les deux mains ensemble. Parfait. Et je vais demander maintenant à Valérie de bien vouloir répéter après moi les phrases suivantes. Vous êtes prêts? Moi, Valérie. Moi, Valérie. Je te prends, Louis-Philippe. Je te prends, Louis-Philippe. Pour mon mari. Pour mon mari. Et mon époux légitime. Afin de t'avoir. Afin de t'avoir. Et de te garder. Et de te garder. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Dans les bons. Dans les bons. Et dans les mauvais jours. Et dans les mauvais jours. Dans la prospérité. Dans la prospérité. Et dans la détresse. Et dans la détresse. Dans la santé. Dans la santé. Et dans la maladie. Et dans la maladie. De t'aimer. Et de te chérir. Et de te chérir. À compter de ce jour. Et jusqu'à ce jour. La mort. Et la dernière phrase. Et j'y engage ma foi et ma vie devant Dieu. Maintenant, avant d'aller vers les troisièmes vœux, qui sont les vœux matériels, qu'on appelle aussi l'échange et l'alliance, nous avons ici in order to do so, I will have the pleasure to execute the crowning ritual. The wedding crowning, or Stephana, they call it in Greek, is the symbol of the glory and the honor with which God crowns the couple. The crowns are joined by a ribbon that symbolizes unity, blessing of the couple as a king, a queen in their home, which they will reign with wisdom, justice, and integrity. Thank you. Et je vais demander à Louis-Philippe de bien répéter après moi, s'il vous plaît, chacune des phrases. En te présentant cette année, en te présentant cette année, Valérie, je t'épouse. Valérie, je Jésus, tu sais qu'est-ce que tu veux. Amen. Maintenant, la question est à toi, Valérie. Es-tu prêt à ton tour à offrir à Louis-Philippe un anneau en gage que toi aussi tu garderas cette alliance afin d'accomplir les vœux qui ont été prononcés ici aujourd'hui. Et toi, Louis-Philippe, es-tu prêt à recevoir de Valérie un anneau en gage que toi aussi tu vas garder cette alliance et accomplir tous les vœux prononcés ici cet après-midi? Maintenant, tous les deux, vous allez vous tenir par la main.
mains et gauche pour saluer vos anneaux. Et que ces anneaux que vous avez reçus maintenant deviennent pour vous et pour toujours le symbole de la mort, de la pureté, de la fidélité de l'amour conjugal, ainsi que le sceau des vœux que vous avez fait aujourd'hui devant papa, devant la maman, mais surtout devant Dieu. Et je vais maintenant vous inviter, madame, à pouvoir me suivre quand vous allez signer les registres de votre mariage. Vous attendez tous ici. Oui, les courants. Alors, si vous voulez, madame, on va aller ici. Vous l'avez confirmé par vos vœux et en vous donnant et en recevant des anneaux. Maintenant, là, avec vos mains jointes, comme vous le faites, et de par l'autorité qui m'est accordée, comme ministre de l'Évangile, ainsi que les lois qui régissent le Québec, je vous donne aujourd'hui la bénédiction de Dieu, afin qu'elle repose sur vous deux, à compter de maintenant, selon la volonté de Dieu notre Père, de son Fils Jésus et du Saint-Esprit, que vous êtes devenus à compter de maintenant officiellement mari et femme. Je vais vous laisser quelques petits instants pour que ça fonctionne. Si vous voulez prendre une petite photo, pour la simple et bonne raison que, dans quelques instants, ils vont faire... Hey, c'est le fun, les voix. Ils souffrent, là, ils souffrent. Mais ils ont toute leur vie pour s'apprendre. Maintenant, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je vais prendre le côté ici et le côté de Valérie. Je vais compter jusqu'à trois. Et à trois, vous allez dire ceci. Regardez ma bouche. Ça va? C'est une pratique. Ils ne font rien. Je compte jusqu'à trois. Un, deux, trois. Embrassez-vous! Alors, on va prendre juste le côté ici maintenant. Je fais la même chose, je compte jusqu'à trois. Et à trois, vous allez dire.
Ça va? Ok. 1, 2, 3. Embrassez-vous! Le volume n'est pas pareil, c'est deux bords. Je vais vous donner une deuxième chance. Je vais monter jusqu'à 4 ou 3. Vous allez mettre beaucoup d'air dans vos poumons pour que ça remonte un petit peu de ce côté-là et que ce soit pas mal top égal. On recommence? 1, 2, 3, 4. Parce que là, on avait un rituel qui s'appelle le mariage. À cette heure que c'est complété, on s'en va aux noces. Une noce, c'est un party, il faut que vous comportiez comme des gens qui s'en vont dans un party. c'est ah ouais, ça peut. Le maquillage va craquer, mais c'est pas grave. Alors, on peut compter jusqu'à 5. Là, on a beaucoup, 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 beaucoup d'air à vous. Je vais avec vous. Je dis. Parce qu'il ne s'embrasse pas tant que vous.